Donc ce soir, on a le plaisir de recevoir un ancien maçon converti, un ancien vénérable de loge, qui était venu il y a, l'année dernière parler de la maçonnerie. Et il reviendra à la rentrée. Vous avez écrit il y a quelque temps un bel article dans la revue L'Héritage. Alors, le sujet de la conférence de ce soir, c'est Guénon, le séducteur. L'objectif de cette conférence est double. D'abord, connaître sa pensée, voir éventuellement qu'est-ce qu'il y a à retenir, et mettre en garde contre l'aspect pernicieux du personnage. Comme le dit l'Écriture, l'arbre tombe du côté où il penche. C'est quelqu'un qui a séduit les milieux catholiques à une époque, avec des pseudonymes, il écrivait dans la revue de Paris Le Monial, des bons articles. Un type très doué, comme certains aujourd'hui qui sont multicartes. Mais je vous demanderai d'avoir la courtoisie de ne pas demander à qui je pense, qui en fait tout l'arc-en-ciel, et qui peut se permettre sur Radio Mosquée ou Radio Notre-Dame, comme on veut, faire l'éloge de la monarchie traditionnelle. Mais vu ses attaches, tout lui est permis. Il faut savoir que Guénon, s'il a séduit à une époque même l'entourage de Maritain, il est mort musulman, soufi. C'est important de bien connaître au moins sa biographie. Effectivement, sur la notion de tradition, il a des choses intéressantes, mais qu'on trouve avec des nuances, chez Joseph de Maistre ou d'autres auteurs, et c'est en cela qu'il peut être dangereux, surtout pour des esprits non formés à la philosophie ou aux sciences théologiques. Et il faut savoir que toute la mouvance Nouvelle Droite, Nouvelle École, vous avez Guénon, Evola, et on mélange tout ça, et ça donne le résultat que l'on voit aujourd'hui, où le peuple chrétien a quasiment, du moins en France, disparu. Parce que cette défense immunitaire n'a pas été entretenue. À vous, cher ami. Merci. Bonsoir. Je commence avec une petite présentation. René Guénon est né en 1886 à Blois, en France. Mort en 1951 au Caire, en Égypte. Il a publié 17 ouvrages de son vivant, auxquels s'ajoute une bonne dizaine de recueils d'articles et de comptes rendus publiés à titre posthume. Il est incontestablement la figure de proue du néognosticisme du XXe siècle. En 1910, Monsieur de Lassus dit de cette nouvelle gnose, je cite, « théosophie, occultisme, martinisme, une branche de la maçonnerie, etc., sont des formes diverges de l'antique gnose des deux ou trois premiers siècles du christianisme, fondée par les juifs pour étouffer la doctrine chrétienne dans son berceau. » Fin de citation. Gnose signe à la fois connaissance et science. Et cet arcane vient du lointain arbre de la connaissance du bien et du mal, également appelé l'arbre de la science. Cet objet de séduction pointé par le serpent à nos premiers parents fascine inlassablement. Il y a incompatibilité entre la gnose et la révélation. La gnose prétend pouvoir délivrer l'homme par la connaissance, la révélation conduit au salut par la foi. Pour les gnostiques, le salut, le but de l'Église, est infiniment inférieur à la connaissance, le but du domaine ésotérique. René Guénon a exercé une influence considérable sur les droites nationales ou réactionnaires, influence toujours présente de nos jours. Il a reçu un bon accueil chez les catholiques avec son livre « Le théosophisme, histoire d'une pseudo-religion », publié en 1921 dans une collection dirigée par Jacques Maritain, ainsi qu'avec l'erreur spirit en 1923, qui traite de l'origine des théories du spiritisme.
En 1924, il publia Orient et Occident, suivi en 1927 de la crise du monde moderne. Livre, au pluriel, bien accueilli par l'Action française, séduite par la condamnation des principes démocratiques. On peut se demander si on a vraiment saisi la portée des remèdes guénoniens, parce que ceux-ci sont bien plus dramatiques que la maladie dont est atteint le monde moderne. L'œuvre de Guénon est très vaste pour pouvoir le développer dans le cadre d'une conférence. De ce fait, je n'évoquerai que quelques aspects, dont sa métaphysique, véritable clé de voûte. Puisqu'il ne peut y avoir d'ésotérisme sans exotérisme, ceci étant additionnel, il dépeint également succinctement l'exotérisme, notamment pour en faire ressortir son infériorité et sa dépendance par rapport au premier. Parlons d'ésotérisme et d'exotérisme. Pour lui, l'exotérisme n'enseigne pas intégralement la doctrine parce que, je cite, « la très grande majorité des hommes n'est en aucune façon capable de dépasser les limites de la condition individuelle ». Fin de citation. La condition individuelle désigne pour lui quelque chose de plus vaste que l'être humain. Elle se rapporte à tout état d'être qui est limité par une forme. Je précise, c'est la doctrine orientale de la transmigration des âmes, selon laquelle les âmes pré-humaines et post-humaines seront liées à une forme subtile jusqu'à leur éventuelle délivrance finale. Qui peut le plus, peut le moins, d'après Aristote. Cette logique, appliquée à un faux postulat, enfante un sophisme, un raisonnement trompeur et séducteur d'esprit non averti et sans défense. Que des aveugles guident des aveugles n'est pas nouveau, et cela n'est pas toujours sans risque de contagion. Il se peut que la seule sonorité des mots suscite un tel enthousiasme en se substituant à la faculté de discernement que cette excitation aveugle devienne à son tour une fanatique défenseuse d'une idée mal comprise. Quel est le rapport avec Guénon? Il ne manque pas d'aplomb. Avec un faux principe axiomatique appuyé par une logique réelle du « qui peut le plus, peut le moins », le postulat erroné, en l'occurrence, est son affirmation d'une nécessaire existence d'un ésotérisme chrétien. L'Église catholique ne sera pas complète sans ésotérisme, son plus, son complément essentiel. Il affirme, sans la moindre hésitation, je cite, « Loin de n'être que la religion ou la tradition ésotérique que l'on connaît actuellement sous ce nom, le christianisme, à ses origines avait tant par ses rites que par sa doctrine un caractère essentiellement ésotérique et par conséquent initiatique. » Fin de citation. Et sur quoi s'appuie notre grand initié pour soutenir cette énormité? Il s'appuie sur l'islam. Je cite, « On peut en trouver une confirmation dans le fait que la tradition islamique considère le christianisme primitif comme ayant été proprement une tarika. » Une tarika, c'est une voie initiatique. Oui, bon, il est dit lui-même. « Et non une charia ou une législation d'ordre social et s'adressant à tous. » Fin de citation. Probablement, il ne se réfère pas ici au Coran, mais à la survivance d'une idée remontant à quelques sectes hérético-initiatiques d'origine judéo-chrétienne parmi les ébionites et les nazariens qui ont joué un rôle dans la gestation de l'islam. Ignorant volontairement ou non cet assemblage historique, Guénon admet néanmoins que les Nestoriens eurent une action importante dans le début de l'islam ainsi que les Sabiens néoplatoniciens. Malgré cela, il n'a jamais reconsidéré sa conviction du bien fondé de l'existence historique de l'ésotérisme chrétien. Ce qui n'est pas surprenant, car à plusieurs reprises, il a arrangé l'histoire afin qu'elle corresponde à ses propres concepts,
Par exemple, la survivance d'une maçonnerie opérative. Je laisse ça de côté ce soir. Invoquer des dires venant d'une tradition orale lui suffisait pour s'opposer aux historiens, puisqu'il savait par voie directe et n'avait pas à se justifier. Il a même soutenu cette singularité à la Sorbonne dans le cadre de sa thèse de doctorat ès lettres, mais le doyen Bruno ne fut pas sensible à son argument et refuse sa thèse, ce que Guénon n'a jamais pardonné aux profanes et ignares universitaires. Concernant l'ésotérisme chrétien, Guénon recommande dans son livre « La crise du monde moderne » que l'Église doit se faire assister par une élite initiatique, afin de restituer son ésotérisme initiatique perdu. Et cette élite devrait être dûment formée par la doctrine des traditions orientales. Ahurissant, mais cela n'a pas empêché le succès de son livre, qui parut en 1927, a suscité de multiples rééditions, tant la demande est forte chez les demandeurs d'une spiritualité réparatrice du chaos social. L'histoire de l'ésotérisme est complexe. En bref, selon certains mystères païens de l'Antiquité, était déjà réservé aux Augustes. Cette doctrine païenne fut définitivement supplantée par la bonne nouvelle de l'Évangile. Il n'y a plus ni esclave ni homme libre, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Être tous un en Jésus-Christ exclut toute voie réservée aux élus. Et le Christ a bien dit, je vous parlerai ouvertement du Père. Et les apôtres n'ont jamais enseigné un catéchisme réservé à une catégorie de notables de l'Empire romain. Ils sont allés vers le peuple. Le peuple a toujours été éloigné des spéculations intellectuelles et de ce fait n'a jamais été exposé à des possibles déformations mentales susceptibles d'influencer la bonne réceptivité de l'Évangile. Cependant, l'ésotérisme a réapparu dès les premiers siècles avec un gnosticisme d'origine judéo-chrétienne. Les gnostiques ont toujours mélangé le vrai et le faux. Ils prétendaient qu'en dehors d'un christianisme pourvu de rites limités pour les simples, considérés inaptes à s'élever jusqu'au sommet de la vérité, il y avait un second devoir réservé aux élus qui, par une purification totale, pouvaient arriver à la pure lumière. Nous retrouvons ce concept aussi chez Pseudo-Denis l'Areopagite au VIe siècle, dont un pape encore récemment rappelait que cette pensée relative aux deux voies était profondément antichrétienne. Relatif aux deux voies, il y a un parfait accord entre le pseudo-Denis et Guénon. Je cite Guénon, l'exotérisme ne peut proposer qu'une finalité d'ordre purement individuel, puisque tout autre sert entièrement inaccessible pour la plupart des adhérents de cette tradition. Et c'est précisément cette finalité qui constitue le salut. Il va de soi qu'il y a bien loin de là, à la réalisation effective d'un état supra-individuel, bien qu'encore conditionné, sans même parler de la délivrance qui, étant l'obtention de l'état suprême et inconditionné, n'a véritablement plus aucune commune mesure avec un état conditionné, quel qu'il soit. Fin de citation. Quelques théories gnostiques. Les gnostiques ne se contentent pas de leurs hérésies, car ils sont avant tout les ennemis jurés de l'Église, dont tu veux la perte par tous les moyens, comme le montre la ruse du pseudo-Denis, qui, ayant vécu au VIe siècle, se présente comme un aréopage du 1er siècle du temps de saint Paul. Le but de cette supercherie était l'acquisition d'une autorité quasi-apostolique de son œuvre, ouvrant ainsi une brèche au noyautage gnostique dans sa tentative de réconcilier l'Évangile et le néoplatonisme. Malgré son échec, l'œuvre s'est quand même bien répandue
et a même influencé des théologiens scolastiques. Les écrits mystiques du pseudo-Denis ont été fortement influencés par le néoplatonicien Procluse, avec un cosmos déifié et un dieu non personnel. Il s'agit plus précisément d'un dieu du supradivinité, Hypertheos, que l'être peut connaître dans, je cite, « dans la ténèbre plus que lumineuse de Dieu ». La doctrine des ténèbres divines, ou de Deus absconditus, donc de Dieu caché, porte indubitablement une marque étrangère au catholicisme. Les apôtres n'en parlent pas, et pour cause. Le Christ n'a-t-il pas dit « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres ». Cette supradivinité, l'apanage d'une élite, s'apparente à l'Ein Sof, l'infini de la Kabbale, la gnose juive. L'Ein Sof est supérieur à Yetzira, le principe fondateur du monde. Je cite Gershom Scholem, « Dieu créateur a un commencement et une fin. À la différence de la divinité qui lui est supérieure, le Deus absconditus, désigné par le terme d'Ein Sof. » Fin de citation. Guénon dit exactement la même chose avec d'autres mots. Le tout universel est absolu, contient aussi bien le non-être que l'être. L'être n'est pas infini, puisqu'il ne coïncide pas avec la possibilité totale. L'être, en tant qu'un principe de la manifestation, comprend toutes les possibilités de la manifestation. En dehors de l'être, il y a donc tout le reste. Fin de citation. Les gnostiques n'admettent pas de création ex nihilo, à partir de rien. C'est totalement inconcevable pour Guénon. Le principe, je cite Guénon, pour être créateur, se suffit à lui-même et n'a pas à recourir à une sorte de substance située hors de lui et ayant une existence plus ou moins indépendante, si qui à vrai dire est du reste inconcevable. Fin de citation. Si la matière préexistait dans le principe avant de se manifester, en ces cas, il y aura une continuité impliquant le panthéisme le plus évident. Pour l'hindouisme, c'est exactement la même chose. Brahma se modifie diversement. Toute chose n'existait que comme ses modifications, c'est le Vedanta. Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis ». Dieu est Yahvé. La négation de la création ex nihilo des gnostico-kabbalistes est blasphématoire. C'est le rejet de la Torah, le Pentateuque de la Bible. L'élaboration d'un tel concept demande un esprit imaginal, mécaniquement combiné avec un antiréalisme farouche. Le mot imaginal est un heureux néologisme de Henri Corbin, le grand spécialiste enthousiasmé de la gnose chiite, laquelle revendique la descendance de l'ésotérisme abrahamique. Je ne commente pas. Quant au terme imaginal, il est pris par Corbin dans le sens d'une exaltation philosophique de l'image, ce qui veut dire que l'imaginal possède sa fonction cognitive propre. On pourrait difficilement être plus subjectiviste, à l'antipode de la connaissance objectiviste du réel. Les gnostiques avancent à rebours. Dieu est absolu, éternel, immuable. Qu'en est-il alors de la question de l'être et du non-être? Si l'être était précédé du non-être, Dieu évoluerait vers ce qui n'était pas, ce qui est absurde pour un esprit naturel. En philosophie, le passage du non-être à l'être n'a a priori rien de métaphysique. En termes aristotéliciens, il correspond au passage de la puissance à l'acte. Et tout passage implique un devenir. Exemple, un étudiant en droit est un non-juriste, est un non-être juriste. Il est en puissance un juriste. Lorsqu'il sera juriste en acte, c'est donc bien qu'il sera passé de la puissance à l'acte. Seule l'imagination peut soutenir que Dieu n'est pas l'être pur. C'est irrationnel, mais les gnostiques rejettent la raison, consciemment. Guénon,
affirme expressément que l'intuition intellectuelle est au-dessus de la raison. Or, cette intuition intellectuelle ne peut être autre qu'une sorte d'autorévélation, une imposture Saint Jean, l'inspiration du Saint-Esprit, et derrière laquelle se trouve indubitablement le démon. Passons à un autre chapitre. La réalisation métaphysique. Commence avec une citation de Guénon. Dans toute doctrine qui est métaphysiquement complète, la théorie est toujours accompagnée ou suivie d'une réalisation effective, dont elle est seulement la base nécessaire. En Occident, c'est au contraire l'absence de ce point de vue métaphysique qui fait que la même question ne se pose généralement pas. Elle n'a pu se poser en fait que pour la doctrine scolastique qui, en effet, était à la fois théologique et métaphysique, bien que sous ce second aspect, sa portée fut restreinte, évidemment. Fin de citation. Cette portée restreinte découle du fait qu'elle se limite à l'être, l'acte pur d'Aristote. Seule l'irrationalité de l'imaginal pourra avoir la prétention de posséder une connaissance divine. Les gnostiques prétendent pouvoir s'élever par leurs propres moyens jusqu'à Dieu. C'est du pélagianisme, une hérésie condamnée par le concile de Carthage en 418, parce que la surélévation de l'âme est uniquement possible avec la grâce divine. Cette condamnation concernant également la négation du péché originel étant directement liée à la grâce réparatrice. Pour la gnose, qui n'admet pas le péché originel biblique, elle considère qu'il y a eu une chute par l'incorporation de l'âme, impliquant l'ignorance, et qui s'oppose ainsi à la connaissance, respectivement avidya et jnana de l'hindouisme. Il y a toujours inversion chez les gnostiques, parce que leur postulat est faux. Le corps n'y pour rien dans la désobéissance. La cause en est l'orgueil, un péché de l'esprit. Parmi les correspondantes conséquences du péché, il y a la perte des dons préternaturels, ainsi que la révolte des sens engendrant un désordre. L'ignorance n'est pas la cause, mais une conséquence du péché. À part les religions orientales, la négation du péché originel n'existe ni dans le judaïsme actuel, ni dans l'islam. Quant à la métaphysique d'Aristote, Guénon, dans cette métaphysique imparfaite, on rencontre parfois des affirmations qui, si elles avaient été bien comprises, auraient dû conduire à de toutes autres conséquences. Ainsi, Aristote ne dit-il pas nettement connaître tout ce qu'il connaît. Cette affirmation de l'identification par la connaissance, c'est le principe même de la réalisation métaphysique. La délivrance et la connaissance totale et absolue ne sont véritablement qu'une seule et même chose. Si l'on dit que la connaissance est le moyen de la délivrance, il faut ajouter que, ici, le moyen et la fin sont inséparables, la connaissance portant son fruit en elle-même. Fin de citation. Cela rappelle les paroles primordiales du serpent. Si vous mangez de l'arbre de la connaissance, vous serez des dieux. Aristote a-t-il vraiment dit, en ces termes, connaître tout ce qu'il connaît? Je n'ai pas trouvé ce passage chez Aristote, je reste sceptique. Pour Aristote, connaître se rapporte au pourquoi des choses, c'est-à-dire à leur cause. Or, la pensée et les choses sont bien réelles et exigent un accord parfait, conformément à la formule scolastique connue de l'éducation de l'intelligence au réel. Mais connaître une chose n'est pas devenir la chose. Connaître un singe est une chose, le devenir en est une autre. Néanmoins, l'identification suprême signifie, pour Guénon, que l'être fusionne avec l'objet. Comme le soufi Mansour El-Halat, au 9e-10e siècle,
qui veut proclamer « Je suis la vérité, Dieu, Anna al-Haq ». Il a été crucifié. Pourtant, notre grand initié le proclame haut et fort, et je vous cite Guénon, il y a un certain niveau à partir duquel l'idée de la création disparaît. Ainsi, il est un aphorisme suivant le soufi, c'est donc le mystique musulman, d'ailleurs, n'est pas créé. Cela revient à dire que son état est au-delà de la condition de créature. Et en effet, en tant qu'il a réalisé l'identité suprême, donc qu'il est actuellement identifié au principe ou à l'incréé, il ne peut nécessairement être lui-même que incréé. Là, le point de vue religieux est non moins nécessairement dépassé. Fin de citation. En effet, il y a de quoi d'être dépassé. Cet état désigné par Fana el-Fanaï, l'extinction de l'extinction, correspond par ailleurs exactement au parinirvana de l'hindouisme. Au fond, l'extinction n'est rien d'autre que le rejet de la vie, du don de la vie. Le royaume de Dieu n'est pas de ce monde, il est transcendant, et l'être peut y participer par le don de la grâce. Il y a une différence essentielle entre la participation et l'identification. L'homme n'est pas Dieu. La certitude de Guénon est sans borne. Il dit, la connaissance totale étant adéquate à la possibilité universelle, l'infini, il n'y a rien qui soit inconnaissable ou, en d'autres termes, il n'y a pas de chose inintelligible. Toutefois, sans initiant préalable, aucune réalisation métaphysique n'est possible. Fin de citation. C'est avec ces propos qu'il a convaincu quelques-uns à s'engager dans la franc-maçonnerie, le soufisme et autre chose. L'orgueil gnostique de Guénon lui conférait une telle certitude de la vérité, la sienne, que même le bon Dieu ne pouvait plus rien lui apprendre. Contrairement à saint Thomas, que je cite, « Plus nous connaissons parfaitement Dieu sur cette terre, plus nous comprenons qu'il dépasse tout ce que l'intelligence comprend. » Passons à la fausse métaphysique, les clés de Guénon. La métaphysique de Guénon est fausse. Elle n'est pas ontologique du réel ou de l'être, qui considère l'étant en tant qu'étant avec ses attributs essentiels. Elle est une métaphysique du possible universel, qui se réduit à la logique mathématique et non à la logique du réel. Il s'agit encore d'une inversion, parce que la métaphysique est au service de l'universel et non l'inverse. Il dit, Guénon, nous ne pouvons concevoir la vérité métaphysique autrement que comme axiomatique dans ses principes et théorématique dans ses déductions, donc exactement aussi rigoureuse que la vérité mathématique dont elle est le prolongement illimité. Fin de citation. Guénon séduit avec son mathématisme logique. Mais le problème est que l'objet n'y s'y prête pas. Dieu n'est pas l'objet des maths. Les mathématiques constituent la science d'étude des quantités spatiales, des nombres arithmétiques et des figures géométriques. Une science qui ne dépasse pas le domaine physique. Dieu a créé les choses visibles et invisibles. Et il a disposé dans le domaine visible toutes choses avec nombre, mesure et poids. Sagesse. Les mathématiques renvoient de ce fait explicitement au créé visible, la matière. D'ailleurs, dans l'invisible, il n'y a rien à mesurer, donc il n'y a rien à nombrer. Tout au moins pas pour un esprit naturel. Par contre, Guénon, comme tous les gnostiques, prend le nombre dans un sens analogique et symbolique selon le pythagorisme néoplatonicien et la Kabbale. Pour lui,
la transposition analogique du nombre relève de, je cite, l'analogie dans son acceptation la plus rigoureuse, c'est-à-dire suivant la formule hermétique comme le rapport de ce qui est en bas avec ce qui est en haut. Fin de citation. Ce qui est en haut est en bas et inversement constitue la formule inviolable de la doctrine hermétique. Celle-ci est gravée dans une table d'émeraude datant des premiers siècles après Jésus-Christ. Guénon dit que l'ésotérisme chrétien tire son origine dans l'hermétisme. Indépendamment de l'imposture de l'existence d'un ésotérisme chrétien, il témoigne volontairement ou non de son ignorance. Le Corpus Hermeticum, oui, date du 5e siècle après Jésus-Christ. Cette analogie rigoureuse entre le haut et le bas, donc le ciel et la terre, n'est rien d'autre que la transposition d'une donnée d'ordre physique en un concept d'ordre spirituel. Une mystification réalisée avec adresse. C'est le panthéisme le plus évident, chose dont Guénon s'est toujours défendu. Les gnostiques n'ont jamais été à une contradiction près, d'ailleurs. L'alchimie fournit une bonne illustration de cette transposition. Cette prétendue voie spirituelle des alchimistes constitue l'application initiatique de l'hermétisme. Les alchimistes prétendaient pouvoir transmuer du plomb en or spirituel. Leur langage était crypté et se rapportait à la transmutation du psychisme symbolisée par l'interaction d'éléments actifs, passifs et fixateurs désignés respectivement par le soufre, le mercure et le sel. Je cite Guénon. La nature purement intérieure de la véritable alchimie, qui est proprement d'ordre psychique, quand on la prend dans son application la plus immédiate, et d'ordre spirituel, quand on la transpose dans son sens supérieur, c'est là en réalité ce qui en fait toute la valeur au point de vue initiatique. Fin de citation. En dehors de cette transposition matérielle à l'infini, il est question ici d'une double transposition, d'abord du corporel au psychique, puis du psychique au spirituel. Cette question est trop importante pour ne pas s'y arrêter. La gnose enseigne que l'homme est constitué d'un corps, d'une âme et d'un esprit. L'esprit sera une étincelle divine non créée, Atma ou le soi dans l'hindouisme. Et l'esprit ne fera que transpirer puisqu'il émane d'un principe divin. Pourtant, Aristote avait déjà démontré logiquement que l'âme et le corps forment une composition inséparable, d'où le terme individu indivisible, individuum. C'est également la doctrine de l'Église qui enseigne que Dieu crée simultanément âme et corps lors de la conception. Quand l'Écriture parle de l'âme et de l'esprit, c'est toujours de l'âme qu'il s'agit. Par rapport au corps, on l'appelle l'âme. Par rapport à Dieu, on l'appelle esprit. En 1312, l'Église a condamné formellement le tripartisme gnostique, esprit, âme et corps, devenu nécessaire avec l'influence croissante de l'aristotélicisme avroïste. Cette question est essentielle. Elle se rapporte également à la responsabilité de l'homme à l'égard de ses actes. Je cite saint Thomas. Si donc l'intellect ne fait pas partie de l'homme, au point de ne faire véritablement qu'un avec lui, si au contraire il lui est seulement uni par les images ou comme moteur, la volonté n'aura pas son siège dans cet homme-ci, mais dans l'intellect séparé. Et ainsi, cet homme-ci ne sera pas maître de ses actes, et aucun de ses actes ne sera plus ni louable ni condamnable. Ce qui jetait à bas les principes mêmes de la philosophie morale. Puis donc que cela est absurde et contraire à toute vie humaine.
Dans cette perspective, en effet, il ne sera plus nécessaire ni d'ériger des préceptes, ni de respecter des lois. En effet. Fin de citation. Vois-je donc expliquer la cause même de l'antinomisme, le catalyseur du rejet de toute loi, a priori, bien évidemment, la loi naturelle du décalogue. Revenons à la transposition analogique matière spirituelle, qui se trouve, quoique autrement exprimée, dans d'autres traditions, comme dans le tantrisme, par exemple. Tout ce qui existe dans l'univers se trouve aussi d'une certaine façon dans l'homme. Ce que le Vishvara Tantra exprime en ces termes, ce qui est ici est là, ce qui n'est pas ici n'est nulle part. Bon, je vous épargne le texte en pali. Bon, voilà. Cette doctrine a également contaminé la philosophie occidentale. Par le rosicrucianisme. L'hermétisme fait partie de l'amalgame doctrinal des Rose-Croix, ce qui explique l'origine du monadisme du rosicrucien Leibniz. Leibniz attribue à chacune de ces monades une représentation de tout l'univers. C'est le principe fondamental de l'hermétisme, la logique constitutive du macrocosme et du microcosme. On change. On parle autre section. On va parler de la tradition primordiale. Guénon se présente comme un porte-parole de la tradition primordiale et affirme que celle-ci est toujours conservée intégralement en Inde dans un centre appelé Agartha, avec pour chef le roi du monde. Il a écrit un livre sur ce sujet et soutient que ce roi est l'intermédiaire entre le ciel et la terre et qu'il a depuis toujours le pouvoir spirituel absolu sur toute chose. Un sujet extravagant, certes, qu'il ne faut pas sous-estimer à cause des réelles ambitions mondialistes qui sont liées à elle, tant dans le domaine économico-politique que dans le domaine spirituel sous forme d'un messianisme planétaire. Le programme économico-politique est, entre autres, exécuté par le MSE, Mouvement Synarchique d'Empire, qui planifia, entre les deux guerres, la mise en place d'un monde coupé en 5 blocs économiques. Je n'insiste pas sur cet aspect de la question. L'action dans le domaine temporel et spirituel découle du projet rosicrucien publié en 1614, le Fama Fraternitatis. Déjà, on voit la fraternité qu'on retrouve dans la maçonnerie plus tard. Dans ce manifeste, les Rose-Croix préconisaient la réforme générale et commune de l'univers entier dans le but d'un asservissement de l'humanité à une super-religion, le noachisme. Le noachisme est la religion planétaire talmudique menée par des prêtres juifs à laquelle l'humanité doit se soumettre en raison de la vérité doctrinale d'Israël. Si vous voulez savoir, lisez le rabbin Eli ben Amezog. Revenons à Guénon et la tradition primordiale. Pour lui, la vérité n'est pas venue dans le monde avec le Christ, puisqu'elle émane du dépôt du Centre suprême, comme toute tradition particulière, lesquelles ne sont que des adaptations de la doctrine première et unique. Que la vérité existe depuis l'état primordial est certaine. La vérité divine est éternelle. Pourtant, le point de vue de Guénon ne doit pas être confondu avec celui de l'Église. Saint Augustin dit aussi que la vraie religion existe avant Jésus-Christ, mais avec ses différences, qu'elle n'avait pas été révélée avant l'incarnation du Verbe. Depuis la révolte de nos premiers parents, Dieu se fait connaître progressivement aux patriarches et prophètes avant de se manifester au grand jour par l'incarnation du Verbe. Cette progression se trouve résumée ici. La loi était donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ.
au sujet d'éventuels points de similitude entre ces différentes traditions, contrairement à ce qu'avance Guénon, il n'y a là rien de primordial, mais s'explique par l'origine de la dispersion des peuples, intervenue après le revers de la construction de la tour de Babel. Or, cet événement est très éloigné de l'état primordial. La doctrine de la tradition primordiale fait partie intégrante du rosicrucianisme. Cette question est habilement argumentée avec érudition, appuyée avec une rhétorique entraînante qui s'accommode des convictions intuitivement préconçues. Je parle de Guénon. À cette fin, le symbolisme constitue un instrument précieux parce qu'il est, et je cite la Guénon, parce que le symbolisme est beaucoup moins étroitement limité que le langage ordinaire. C'est pourquoi il constitue le langage initiatique par excellence. Le symbolisme est essentiellement synthétique et par là même intuitif, en quelque sorte, ce qui le rend plus apte que le langage à servir de point d'appui à l'intuition intellectuelle. Fin de citation. Je vais vous donner un exemple à propos du symbolisme du cœur. Guénon. Le cœur de l'homme n'est-il pas en effet le vase où sa vie s'élabore continuellement avec son sang? C'est ce vase pris comme symbole du cœur et se substituant à celui-ci dans l'idéographie égyptienne que nous avons fait penser, qui nous avait fait penser immédiatement au Saint Graal. D'autant plus que dans ce dernier, outre le sens général du symbole, considéré d'ailleurs à la fois sous ces deux aspects divins et humains, ce qui est en haut et en bas, pas oublié, nous voyons encore une relation spéciale et beaucoup plus directe avec le cœur même du Christ. Et il ne nous paraît pas douteux que les origines de la légende du Graal doivent être rapportées à la transmission d'éléments traditionnels d'ordre initiatique. Il y a des symboles qui sont communs aux formes traditionnelles les plus diverses et les plus éloignées les unes des autres, non pas par suite d'emprunt, qui dans bien des cas sera tout à fait impossible, mais parce qu'ils appartiennent à la réalité, en réalité à la tradition primordiale, dont ces formes sont toutes issues directement ou indirectement. Et n'est-il encore pas plus remarquable que le vase était déjà anciennement un emblème du cœur. Fin de citation. Je ne vais pas réfuter cette conception saugrenue. Je signale seulement que l'Église catholique ne s'est jamais intéressée au Graal, pour la simple raison que cette saga est entièrement construite sur des écrits apocryphes, comme le proto-évangile de Jacques, le pseudo-évangile de Nicodème et d'autres sources douteuses. Mais, continuons avec Guénon, parce qu'il a même dit, à propos du Christ, si le Christ devait être envisagé uniquement comme un personnage historique, cela sera bien peu intéressant. La considération du Christ-principe a une toute autre importance. Fin de citation. Il fait preuve ici d'une incompréhension inqualifiable. Vient-elle de son ignorance ou de son illumination initiatique? Sans incarnation, il n'y aura pas eu de christianisme. L'absurdité d'un Christ-principe est le Messie-principe de la Kabbale, qu'il a développé dans son Roi du monde. Sans entrer dans les détails, j'évoque seulement le fait que selon la Kabbale, ce Christ-principe correspond à Métatron, l'ange de la face. L'ange de la face a même deux faces, une double face, une ténébreuse et une autre lumineuse, et correspondent respectivement à l'anti-messia et au messias. Guénon affirme même que ces deux faces sont représentées dans l'iconographie chrétienne par l'amphisbène, le serpent à deux têtes dont
l'une représente le Christ et l'autre Satan. C'est du manichéisme à l'état pur. Et il n'est pas nécessaire d'être chrétien pour savoir que le christianisme a toujours combattu le manichéisme. Le manichéisme n'a pas seulement influencé la Kabbale, mais aussi l'hermétisme. D'ailleurs, Kabbale et hermétisme se rejoignent dans le rosicrucianisme. Le manichéisme constitue le fondement même de l'hermétisme. La figure du rébis, chose double, l'illustre explicitement. Je vous montre. Image connue. Cet androgyne, comme Janus, le dieu romain, a deux visages, un masculin et un féminin, dont les pieds de leur corps unique, dont les forces de la nature. Cet androgyne est circonscrit dans l'œuf du monde. C'est l'œuf du monde. L'embryon du macrocosme et du microcosme, dont ceux l'initié connaît l'ouverture menant à la délivrance finale. Le côté féminin porte une équerre et le côté masculin un compas, instruments qui sont en rapport symboliquement avec la terre et le ciel. Le terre est carré, le ciel est circulaire. Cette complémentarité se retrouve dans la tradition chinoise où Niyakua porte le compas et Foui l'équerre. Cette correspondance symbolique relative à l'androgyne entre l'Occident et l'Orient constitue un bel argument destiné à convaincre les incrédules d'une origine primordiale commune. Le symbolisme du yin et du yang, c'est du manichéisme le plus manifeste, avec en plus la prétention de tout expliquer par l'actif et le passif. Guénon commente non sans lyrisme que, je cite, si l'on considère spécialement le yang et le yin sous leur aspect d'éléments masculins et féminins, on pourrait dire que, en raison de cette participation, tout être est androgyne. Et en un certain sens et dans une certaine mesure, c'est le symbole de l'androgyne primordial. Fin de citation. C'est clair et précis. Il n'y a rien à ajouter. La question de l'androgyne, avec la théorie du geste, est pleinement d'actualité. Ses racines plongent dans l'irrationalité, l'une des conséquences également de la révolte contre Dieu. Cette révolte fausse tout. En effet, dès qu'elle est engagée, elle mène inévitablement à l'absurdité d'une contre-nature. Et contre l'absurde, il existe un seul remède, c'est le retour au réel. Je vous remercie.